it shows there's some strength in me. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. Possibly, maybe, decidedly, I will persist. Suffering will be legendary even in hell. Décidément, hein, je crois bien que ce conseil, cet avertissement de Pinhead va nous suivre pendant longtemps. Et à chaque début de live, hein, j'en ai bien peur. Alors nous sommes sur une nouvelle partie, la partie 7, hein, je crois, de cet excellent Silent Hill en NNC édition. Donc là, je suis sur la pause. Hop, on va reprendre. C'est parti. Donc là, nous en étions où nous avions récupéré la clé de l'ascenseur de service pour être plus précis. Et maintenant, si on regarde la map, faut qu'on check les portes là à droite. J'ai le son qui est un peu fort, je vais baisser. Voilà. Et ça, je vais l'augmenter un petit peu. Voilà. Là, on va être très bien. C'est bon, le micro gêne pas. C'est parfait. Je crois que le verrou est cassé. Impossible de l'ouvrir. Bon, ça, c'est le storeroom. C'est fermé. Ça, j'ai utilisé la clé de l'ascenseur de service. Ah bah. C'est pas fait exprès, hein. C'est parti. Alors, j'ai mappé les boutons pour qu'on puisse... recharger. Qu'est-ce qu'on trouve ici? La boisson revigorante. Une autre boisson revigorante. Ok, très bien. Là, on peut saver, mais bon, on vient de le faire. J'ai envie de ressortir et de checker juste la porte là. Voilà, bon, comme ça, au moins... Oui, pardon. Au moins là, on est certain, on a fait tout le deuxième floor. Hein. Donc, on va prendre l'ascenseur de service. On n'aura pas perdu de temps, c'était juste la porte en face. C'est parfait. Ah! Petite alarme là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est pas ça? Comme disent les Espagnols. Je viens de regarder un excellent film d'ailleurs espagnol là à l'instant. Là, il me dit que je peux pas. Quoi? Il peut pas. Il veut pas quand j'ai mon arme ou c'est quoi? Merde, j'essaye de retirer mes armes. Je voudrais rien, s'il vous plaît. Juste un bâton peut-être. Non, c'est bon. On va aller au B. Il veut pas. Au premier, il veut pas. Deuxième, il veut pas. Il y a quelque chose d'écrit sur le bouton. Qu'est-ce que c'est? Pour autoriser une personne. Donc il faut qu'on se débarrasse de notre... Ok, donc on prend rien.
Curieuse histoire. Ok, on désactive ça. Enfin, on va pas. On va... Bah pourtant, il est toujours allumé. Bon, bref. Salut Léa. Bonsoir à toi. J'ai utilisé la clé de service pour ouvrir cette porte. Donc, regarde sur la map. Nous sommes arrivés ici et j'ai pu ouvrir la porte avec la clé de service. Bonsoir Nictaras. Vous êtes un peu en retard. Enfin, ça fait 5 minutes, mais bon. Non, je suis ravi de vous voir. Donc là, vous voyez, là, je viens d'arriver sur un ascenseur. Et il sonne à chaque fois que je rentre en me disant poids minimum requis, une personne. Mais il n'y a que moi. Non, mais ça, faut l'activer. Je me suis trompé avec la lampe poche. Voilà. Alors, il y a quelque chose d'écrit sur le bouton. Qu'est-ce que c'est? Pour autoriser une personne. Mais je suis tout seul là. Alors là, je ne vois pas. Je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas. Je viens de sortir, les filles. Petit verre de vin. Il faut ce qu'il faut pour passer une belle soirée en compagnie. Ville Fripon. J'ai rapproché mon portable pour mieux lire tes dires. Tes dires. T'es dire éthylique. Alors attendez, y a une petite notice ici peut-être. Les consignes aux employés sont affichées. Elles ne me regardent pas. Alors je voulais vous poser une question là, de vous à moi. Est-ce que le son est meilleur? Dites-le-moi franchement, le son du micro. J'ai changé 2-3 paramètres et normalement, vraisemblablement, le son devrait être meilleur. Alors si vous me dites oui, je vais peut-être chialer. Les consignes aux employés sont affichées là. Elles ne me regardent pas. Ouais, bon, bah, rien ne te regarde alors, hein. Comment on pourrait faire? C'est curieux, hein. Vous allez me dire, j'ai toujours que c'est curieux, mais. Et puis là, il n'y a rien à faire, hein. One person. Quoi, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un sur le haut de l'ascenseur? C'est ça que ça me fait penser, moi. Hein. Et en même temps, écoute, je n'entends pas pour l'instant de différence, mais si ça peut me voir, alors oui. Merci. Bon, bah, du moment déjà que vous voyez pas de différence, ça veut dire que c'est pas pire. Normalement, c'est un petit peu mieux. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire qu'il pourrait y avoir quelqu'un sur le haut de l'ascenseur et c'est pour ça que pour lui, c'est trop lourd? Parce que là, on est à quel étage? On est au deuxième, hein. Moi, je serais d'avis de monter au troisième pour aller voir ça. Parce que vraisemblablement, nous ne pouvons pas. Il fait trop sombre pour lire la carte. Ah oui, bah d'accord. Donc, mon idée de faire des économies de piles, c'est de la merde. Bon, on retourne par là. Petite bière aussi. Il faut dessaper James. Bah oui, mais je ne peux plus rien. J'y ai pensé. Un peu comme dans Resident Evil Code Veronica, vous savez, quand on posait toutes les armes dans le. Mais on ne peut pas se dévêtir. On ne peut qu'emporter. On ne peut pas enlever les choses. On peut recharger. Tiens d'ailleurs. Non, il est déjà. J'ai mis un bouton à fretter pour le rechargement, on verra si ça fonctionne. Non, non, moi je pense que. On peut pas enlever, hein, on peut pas se dévêtir. Je pense qu'il va y avoir peut-être possibilité. Merde, c'est fermé. Non, il faut qu'on prenne l'ascenseur. Mettre ses affaires dans le placard en face de l'ascenseur, j'essaye ça. Je pense que. Merci pour ton conseil, c'est peut-être ça. Merde, mince, pardon. L'étagère est vide. Je pourrais y mettre mes affaires. Bravo. Bravo Léa. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? Vous croyez qu'il va falloir tout mettre? Allez, ça suffit. Attends, je mets le fusil. J'essaye de garder que le flingue pour voir.
Non, il va falloir que je mette tout. Bah, en même temps, vous êtes d'accord que j'ai eu quand même la même idée aussi, sauf que j'ai pas été jusqu'au bout de mon idée. J'ai pensé à Code Veronica, où on mettait tout dans un casier. Alors, voyons si on sans les armes. Non. Ah non, il veut vraiment que je mette tout, mais c'est délirant. Alors peut-être tout ce qui est munitions. Attendez, j'essaye au minimum, j'ai envie de garder des trucs. Hein? J'essaye de... Non, non, allez hop. Je crois qu'il faut tout mettre. Hein. Mais... Mes rayonnances. Et modeste avec ça. Ouais, on met tout, hein. On va se garder les trousses de soins pour voir. Et la clé. Bon, attendez, c'est quoi cet ascenseur? Vous imaginez, moi là, j'habite au premier. Bon, je pense rarement l'ascenseur. J'essaie de garder la clé et la trousse. Ah, les salauds! Et la clé. Faut pas déconner quand même. Ouais, d'accord. Je suis trop lourd d'une clé. Je suis trop lourd d'une clé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis trop lourd d'une clé. Ah, là, on est bien. Là, on est bien léger, là. Ah, les jeux vidéo. Donc là, nous étions... Excusez-moi, je recheck. Nous étions au deuxième. On va au troisième. Ok? Et il veut pas. Donc on va aller au sous-sol. Deuxième, il veut pas. Ah, premier, il veut bien. Je vais tenter le quand même le B. Ah, y a une map là. Local view, un floor. J'ai un plan de l'hôtel. Ah, pour les employés. Et j'avais fait une petite blague dans la partie précédente en disant que le plan pour les autres était pas peut-être pas le même, mais c'est pas le même. Ok, donc nous sommes là et on est de l'autre côté. Ok, mais par contre on n'a plus d'armes, plus rien. Avant de faire ça, déjà on va faire F5 pour pas avoir à tout remettre. Je veux voir si je peux aller. Et il veut plus que je reprenne l'ascenseur. Quoi ce coquin? Bon, on peut pas. Ah, putain, arrive au troisième. Merde, j'ai oublié ma clé. Ouais, non, mais voilà. Bon, ça c'est cassé. Alors, on a plus d'armes, on a plus rien. Je crois que le verrou est cassé, impossible de l'ouvrir. Ça commence bien, hein. Alors, j'ai fait une subtile modification. J'ai baissé le son des jeux, mais j'ai mis la musique au même niveau. Il y a des pommes de terre et des oignons. Elles sentent un peu le pourri. Attends, James, il a l'air... Ah, une autre boîte à musique. Je la vois, je la vois. Je la prends. J'ai une boîte à musique Blanche-Neige. Bon, très bien. Bon, je pense que c'est tout, hein. James ne regarde rien d'autre. Ok. Et là, fire exit. D'accord. Donc là, on n'a plus qu'une petite boîte à musique. Hein. Ce qui nous laisse peu de possibilités. Hein. On est d'accord. Là, il y a les toilettes, mais jamais on peut y aller. On pourra jamais pisser dans le jeu. Il y avait une sorte d'ordinateur à la sortie de l'ascenseur, tout de suite à droite. Je vais voir ça. Oui, c'est exact. C'est un pèse-personne. Non, c'est une trieuse de courrier ou quelque... Non, c'est ou pour checker. C'est pour checker quand t'arrives et quand tu repars. Pour pointer. Et tout précisément. C'est une pointeuse. Attendez, avant de s'aventurer... Avant de s'aventurer dans la porte bleue, j'ai envie de faire toutes les salles. J'ai envie d'aller à l'office. Une pointeuse, oui, voilà. Alors, il y a quelque chose dans le safe. Ah, la fameuse cassette vidéo, la sex tape. La sex tape de Marie et de James.
C'est du propre. Ah bah bravo! Ah bah bravo! En plus, il devait payer une fortune le directeur pour qu'il la garde dans le coffre. Il y a un ouvre-boîte sous la cassette vidéo. Bah oui, bien sûr. J'ai un ouvre-boîte. Moraliste. On est rentré par là, peut-être qu'on peut repasser par là. Non. Donc on a un ouvre-boîte et on a la cassette. J'ai envie de la checker cette cassette hein, quand même. Hein. Elle m'intrigue. Porte Silent Hill sur l'étiquette. C'est mon écriture. Ah. C'est bien la cassette que j'avais enregistrée. Ok. On a bien fait de pas se barrer tout de suite, hein. Parce qu'après on regrette. Bon là, on est dans une autre pièce. Il y a un petit... C'est quoi? C'est un planning? Il y a un... Voilà, il y a un emploi du temps. La date remonte il y a un an. Ah, il y a un an. Oui, je... Bah oui, avec l'ouvre-boîte, ça va être compliqué. J'ai des... Ah, j'ai quand même des cartouches de carabine, c'est pour plus tard. Non, mais on va retrouver tous nos objets, tous nos précieux objets. Bon, il n'y a rien de plus là, hein. L'impression. Rien de plus. Là, on pourra ouvrir, hein. Les volets sont fermés, regardez là. Il y a une manivelle. Hein. On est d'accord. Il va y avoir possibilité de manœuvrer là. Là, c'est le manager's residence. Je crois que le verrou est cassé, impossible de l'ouvrir. Ok. Je crois que là, ah, il fait trop sombre pour lire la carte, on ne peut pas. Donc, on prend ça et on s'aventure dans les profondeurs. Oula. Pardon, madame. On a la clé du bar. La petite clé du bar. Vous me dites si le micro sature. Ah merde, lui il nous emmerde. Allez, casse-toi. On s'est pas trop mal démerdé là. Ouais, drôle d'endroit. En plus, je peux. J'ai. Bon, là, je peux quand même consulter ma carte. Oui, quand même. Voilà. Donc, la clé du bar, vous voyez, on est là. Ah, bah, c'est bien, je peux utiliser la souris pour vous montrer. Nous sommes ici. L'idée, ça serait de ressortir. C'est le bar Venus Tire. Non, mais non, on peut pas y accéder. Hein. On peut pas. C'est un leurre. Donc, il faut qu'on ressorte et qu'on reprenne les escaliers. Hein. Hein, c'est ça. Hein. Donc je ressors et c'est sur ma gauche, tout droit. À moins qu'on puisse passer par là. Ah ben on y est. Ah on pouvait passer. Oh bah ben, c'est parfait. Donc on va pouvoir sortir. Et bien sûr. J'ai envie de voir le jukebox. Ah il y a quelque chose là. Il y a une lampe sur le comptoir, mais il n'y a pas d'ampoule et je ne peux pas l'allumer. Alors pourquoi tu la regardes? Il y a un jukebox, il ne marche pas, il doit être cassé. Curieux ça. Il y a une lampe sur le comptoir, il n'y a pas d'ampoule et... Bon, faut qu'on s'en souvienne, hein, au Venus Bar. J'ai essayé d'utiliser la clé du bar, mais l'obscurité m'empêche de trouver le trou de la serrure. Pourquoi? Vous avez entendu ça? J'ai essayé d'utiliser la clé du bar, mais l'obscurité m'empêche de trouver le trou de la serrure. Ouais, non, mais à un moment donné, faut faire un peu d'effort là. Là, le mec il trouve pas le trou de la serrure parce qu'il fait un peu trop sombre. Bon, j'en ai entendu des excuses dans ma vie, hein. Mais alors celle-là, elle est un peu légère. Qu'est-ce qu'on fait alors, hein? On est obligé de se rebarrer. Donc, ampoule pour la lampe.
pour ouvrir la porte. Oui. Oui, c'est un peu trop servi au bar. Ouais, il faudrait qu'on trouve une ampoule. Ah, regardez, il regarde quelque chose. Putain, heureusement que je suis retourné. L'une des conserves ne porte pas d'étiquette. Vous allez voir qu'on va l'ouvrir, il y a une ampoule à l'intérieur. Ça, c'est Silent Hill. L'une des conserves ne porte pas d'étiquette. Allez, hop. Alors évidemment, je ne vais pas dans le bon sens. Et voilà. Silent Hill. Silent Hill. Il y avait une ampoule dans la boîte, évidemment. J'ai une ampoule électrique. Évidemment. Tout ça tombe sous le sens. J'en étais sûr. Allez, viens là, toi là. On va t'empouler. J'ai vissé l'ampoule électrique. Maintenant, on peut le prendre. Alors, s'il la prend pas, là, je deviens chèvre. Il veut pas la prendre. Ah non, ça éclaire juste la porte. Maintenant, on peut utiliser la clé. Ah. Ami de la cohérence, bonsoir. J'ai utilisé la clé du bar. Ok. Bon. On est là. On a résolvé l'énigme de l'ampoule. Donc du coup, on peut reprendre l'ascenseur, hein. Est-ce que c'est une bonne idée de reprendre l'ascenseur? Parce que qu'est-ce qu'on a gagné au final? On a gagné à la cassette vidéo, oui. J'ai envie de voir si on peut aller plus bas. Il veut pas, il va pas. Et de toute façon, il veut pas. Comme ça, au moins, on n'a pas le choix. Il veut pas. Cherche dans les bouteilles, il y a peut-être moyen de trouver des vinyles pour le Jackbox. Oui. Bon, de toute façon, on peut pas reprendre l'ascenseur. Donc, comme ça, c'est. Comme ça, l'histoire est réglée. On va remonter. Donc là, est-ce qu'on se mette bien au clair? Et ce serait bien qu'on récupère nos affaires. Hein? Nous sommes ici. Sachant que nos affaires. Bon, déjà, on va pas aller à gauche. Nos affaires sont. À la storeroom. Donc faut qu'on remonte. Faut qu'on prenne les escaliers. Les escaliers sont sur la droite. Où est-ce que tu peux regarder la cassette vidéo? Il y a une salle spéciale. Bah pour l'instant, j'ai pas trouvé de magnétoscope ni rien. Mais je sais qu'on a rendez-vous dans la chambre 312. Je pense que la chambre 312, ça va être là où j'enregistrerai la cassette. Enfin, c'est là où on va la regarder, je pense. Voilà, dans leur chambre d'hôtel, peut-être, tu vois. Je pense que ça va être ça. C'est quoi ça, cloque? Ah, c'est le vestiaire. Il fait trop sombre pour lire la carte. Ah non. Bon, là, de toute façon, c'est close. Ah, vous avez entendu, on m'a appelé. On m'a appelé, hein. J'ai entendu James. Yes, Tara. Mais là d'où tu viens, l'ascenseur, justement, tu veux pas récupérer tes affaires là? Mais non, vous avez bien vu, j'ai pas pu. Je pouvais pas rentrer dedans. Il marchait pas. C'est pas le même. Non, faut juste se souvenir. Non, puis moi, sans la carte, c'est compliqué, hein. Pas vous mentir. On est déjà venu là, hein. Ah, il y avait aussi cette histoire de valise. Où il fallait marquer un nom. Attendez. Il faut que je trouve un endroit. Là, il y a de la lumière quand même. Il fait trop sombre pour lire la carte. Pourquoi pas, mais non.
qu'on récupère nos affaires. Allez, ça doit être par là parce qu'il y a des ennemis. Ah ouais, putain. Oh bah hé. C'est bon, j'ai tout récupéré. Salut Tama, t'arrives pile à point. T'arrives toujours au bon moment, au moment où on débloque la situation. Donc, nous en sommes ici. On a une nouvelle boîte à musique. Bon, on va regarder. On a tout récupéré. On a la cassette vidéo. On a la clé de la chambre 312. Et on a deux petites boîtes à musique, dont une qui s'appelle Blanche-Neige et une qui s'appelle Petite Sirène. Il faut qu'on aille à la 312. Sachant qu'à la 202, il y a cette petite valise où on peut marquer un nom. Moi, je serais tenté de vouloir reprendre l'ascenseur, mais de toute façon, l'ascenseur ne fonctionnait plus. On ne pouvait pas le reprendre. C'est l'ascenseur de service, il nous a permis juste de faire comme ça le tour. Voilà, Nictaras a très bien résumé la situation. Du coup, où je me dirige? J'ai l'impression que la 202, c'est tout simple, hein. C'était en quatre lettres. J-A-M-E-S. Non, ça fait pas. James, c'était pas bon. Ah ah, j'ai vu que tu avais une petite bouteille jaune. Tu t'en es déjà servi? C'est pas une petite bouteille. C'est du. Ah oui, c'est du dissolvant. Bien vu. Petite bombe de diluant trouvée dans l'ascenseur. Je sais pas du tout. Bon, de toute façon, là, on est obligé de ressortir. On est bloqué, là. Là, tout est bloqué. Là, c'est cul-de-sac, c'est le cul-de-sac du. Non, j'ai envie de revoir cette machine. Mais il nous faut trois boîtes à musique, hein. Bon, j'en ai que deux, hein. Pour la mallette, peut-être que. Alors, pour la mallette, peut-être que quoi? Que. L-A-U-R-A, Laura, ça fait pas quatre lettres. Oui, il me faut un nom à quatre lettres, mais moi je peux y retourner. C'est la 202, hein, je me souviens. Merde. C'est par là, hein. Tout est à l'envers. Quand je veux aller à gauche, en fait, c'est la droite. Ah voilà, c'est par là. En plus, je suis idiot, c'est écrit sur le mur. Allez, c'est par là. Mais pas du tout. Où je suis? La reading room, mais non. Mais non. Alors, ils le font exprès pour qu'on se paume, mais c'est bien vu, hein. Ça serait ici? Mais non. Non, c'était toujours tout droit. Attends, Ah, ça y est, il y a une partie sur deux où c'est fluide. Et une partie sur l'autre où ça va pas. De la mêle. Oui, mais il y avait plein de photos à côté. Il te faut un nom à quatre lettres pour la mallette. Et il y aura une boîte à musique dedans. J'en fous ma main coupée. Oui, bah, oui, je pense pareil. Oui, mais il y avait plein de photos à côté. Alors, à côté de. Je ne sais pas de quoi tu parles là. Il y avait plein de photos à côté. Ah, à côté de la mallette. Je vais aller voir ça tout de suite. Salut Vénus. Encore une fois, j'aurais mal checké. C'est ça? T'étais en train de me juger? Bah, c'est verrouillé. C'est celle-là. Oui, c'est verrouillé et on passe par là. Il y a plein de photos à côté. Ah oui, j'ai pas vu les photos. Des photos éparpillées sur le lit. Qu'est-ce que c'est? Ah putain, je suis vraiment. Excusez-moi. Salut, Beauceron. Et tu serais pas. Là, si je compte pas le mur, t'es à 1,50 m de moi, Vénus. Hein. La photo était coloriée avec un marqueur.
Les lampes déverrouillées? Ah ouais. Ok, bon, il y a des photos. Alors, c'est une photo de. J'arrive pas bien à voir. Deck. J'arrive à lire deck. Et c'est. Peut-être que j'ai pas assez de recul. Ah, c'est un sofa. Si je regarde sur le retour, parce que comme là, l'écran est immense. Une sorte de. Oui, c'est un sofa, quoi. Quoi, ça serait sofa? Ça fait 4 lettres, hein. J'y crois pas, hein. J'y crois absolument pas. De toute façon, ça va être une voyelle. Non, on peut pas écrire James. Jame, non, on peut pas écrire Laura, Laur. On peut Hill, Silent Hill. Bien joué, le diluant sur le marqueur. Il va mettre sofa sur la mallette. Et si c'était une photo de boulanger, il testerait pain. Bah oui. Bah il y avait bien les ampoules dans la boîte de conserve. Moi je m'adapte, hein. Ah toi tu crois qu'il faut que tu uses le dissolvant là? Oh putain oui c'est ça. Ça c'est peut-être des trucs que j'aurais pensé si je jouais seul, tu vois, mais là bon. Elle. Du don elle, ça serait pas l'enfer. Par contre, je sais toujours pas ce qu'il faut mettre là. Non, je plaisante. Ah, on a le droit de rigoler. On a le droit de rigoler là un petit peu. J'ai une boîte à musique Cendrillon. Oh, t'as ta main est sauf. Nique ta race. T'as pas besoin de te couper ta main. Ah, je suis pas mécontent de ma dernière petite blague. Elle était bien, bien. Elle était bien rigolote. Hein? Elle était bien rigolote, ma dernière petite blague. Allez, on va aller voir la boîte à musique, là. On va tirer cette affaire-là au clair. F5. Personne ne me le dit maintenant. Tout le monde me déteste. J'en ai conscience. Je suis obligé d'y penser moi-même. Tout ça pour une simple erreur de photo. Mais où on est là? Ah, on est retourné complètement en bas, pardon. Il fait si sombre. Il est où le. Allez, au secours! Ah, mais là on est complètement ressorti. Bah, tiens, du coup, il y a un truc qui me chiffonne. C'est ça. Juste avant. On y retourne à l'intérieur. Comme j'ai revu la VOD, je me suis. Non, on peut pas passer là, ok. Parce que j'ai revu la VOD et je me suis dit, mais putain, mais Romain, pourquoi t'as pas cliqué là un peu pour savoir? Au moins là, je suis sûr de moi. Bon, on va remonter juste au premier pour retomber sur la boîte à musique. La boîte musique, on peut dire la boîte musicale quasiment. Alors, on est là, ça serait sur notre gauche. Ici donc. Voilà. Allez, on met les bottes à musique. Ah, c'est quand même fluide, hein. Il y a eu une petite. J'ai fait jouer la boîte à. J'ai fait jouer la boîte à musique. Non. On va faire jouer à. Quand tout sera prêt, quand tous les musiciens seront là. Ah, il veut pas. Bon, bah, on fait jouer la boîte à musique alors. J'entends rien. Ah, t'as apprécié ma petite blague. Salut, bad boy. Bye, Bob, Gamerang. Allez, on teste la dernière qu'on ait eue. La dernière qu'on ait eue, c'est Cendrillon. Non, ça va pas. Ça va pas. On sait que Blanche. On sait que Petite Sirène, ça n'appelait pas non plus. On va tester Blanche-Neige. Oui. Ah, c'est déjà plus mélodieux.
Alors peut-être que si je me mets là, on peut en mettre une autre. Ah voilà, c'était ça. De toute façon, on a une chance sur neuf. Bon, pour s'amuser, on va mettre l'autre, sachant que c'est pas ça, hein, mais. Ah bah là, carrément. Ah bah c'est ça. Une chance sur neuf. Et voilà. C'est qui le patron? C'est qui le patron? Voilà, c'est qui le patron? Allez, une petite save pour la peine. Profitez bien de cette petite musique parce qu'elle va peut-être se couper là. Ah, je ne peux pas quitter l'hôtel. Bon. Alors du coup, qu'est-ce que ça me donne? J'ai la clé de l'escalier de l'hôtel. Et là, c'est tout. Ok, donc maintenant on a la clé de l'escalier de l'hôtel. Oui, mais j'allais la récupérer. Je voulais. Non, j'allais. Allez, je confesse, j'avais un peu oublié. Mais j'y ai quand même pensé après. Alors, clé de la porte. Clé de la porte entre l'escalier et le couloir du troisième était cachée dans la grosse boîte à musique du grand hall. Ok. Donc, on va aller à droite. On va prendre l'escalier. L'escalier qui doit se trouver. Ah, mais c'est fou, hein, d'être. C'est complètement à l'envers. Je vous assure que je ne le fais pas exprès. Ça m'agace autant que vous. Allez. Normalement, c'est bon là. J'ai utilisé la clé de l'escalier de l'hôtel. Ouais, ça avance quand même relativement vite là. Plaignez pas là. Ah oui, là où on a entendu Maria. Oui. On a entendu James. J'ai utilisé la clé de la chambre 312. On utilise clé sur clé là, c'est festival. F5. Personne ne me le dit évidemment. On n'a pas d'armes là. Oh là, il faut se mettre le fusil à pompe. Bon, déjà, je mets le truc ne pas déranger. Parce que là, il va pas falloir nous déranger là, si tu vois ce que je veux dire. Bon. Bon, il y avait. Eh ben voilà. Télé, magnétoscope, on passe une bonne soirée. Allez. Vous êtes prêts pour le visionnage? La position de James Bond avec le fusil bien sérieux. J'ai pouffé mon vin. Allez. Bon, vous êtes prêts? On va se mater ça. Hein. C'est parti, pour fumer un peu. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Please promise you'll take me again, James. Le mystère reste entier. La petite Marie, elle était malade, hein. Il y avait un petit peu toussite. Je suis pas médecin, mais il y avait toussite. Une toussite grasse. Ça, c'est de la toussite grasse. Ça vient du Venezuela. En général, hein.
Faut pas essentialiser, mais en général, c'est Venezuela. Ou la superculose, oui. Je vois que tu t'y connais aussi un peu. Ça fait plaisir d'avoir des spécialistes. Parce que moi, j'aime pas les fake news, tout ça sur Internet. Moi, j'aime bien que les gens parlent de ce qu'ils savent. Enfin, hein. Parler sans rien dire ou colporter des choses dont on n'a aucune connaissance, ça m'a toujours agacé. Donc, je pense que c'est la superculose. Mais celle-là, particulièrement du Venezuela. Tu vois, on se complète. C'est aussi ça, Internet. C'est la synergie. Mary. La science, c'est important, bien sûr. Mais seulement dans les mains des sachants. Ah bah voilà. Voilà Laura. So there you are, James. Did you get the letter? Did you find Mary? If not, let's get going already, okay? Il est tout dépité là depuis qu'il a vu la vidéo. Ouais, petit coup de mou. Mary's gone. She's dead. Liar, that's a lie. No, that's not true. She died because she was sick. No. Je pense qu'il réalise. I killed her. Ah, il l'aurait tué? Ah, les mots ont un sens, hein. Attention, James, hein. You kill her! Why'd you do it? I hate you! I want her back! Give her back to me! I knew it! You didn't care about her! I hate you, James! I hate you! I hate you! I hate you! Je crois qu'elle le déteste. Je suis pas pédiatre, mais je crois qu'elle le déteste. She was always waiting for you. Why? Why? Il s'en remet pas. I'm sorry. Pour l'âge. Mary, you know. On va encore se faire ban de Twitch. Ah, vous êtes en forme, hein. Dans les moments dramatiques, vous êtes en forme, hein, si ça c'est pas de la cruauté. J'ai une communauté cruelle et trop gâtée. Mais souvent les enfants, quand ils sont trop gâtés, deviennent cruels. C'est ma faute en fait. Ah, en vrai, on chiale, c'est pour ça. Mais oui, c'est pour détendre l'atmosphère. Ah bah, elle est morte, mais elle a... Vraisemblablement, elle attend encore. That voice. Il l'entend dans son iPhone. Où es-tu? C'est F5. C'est save. Cinématique là, je pense. J'espère même. Ah bah ça fuit de partout maintenant. Où est le plombier là? J'ai un mot à lui dire. Bon. Je lis un peu vos bêtises. Les larmes coulent, Bosseron. Les larmes coulent, oui. Mais les larmes... c'était quoi déjà? Les larmes... Ça va me revenir. Les larmes coulent, Bosseron, les larmes coulent. Il n'y a pas d'aiguille à tricoter, ni de dé de le James. Mais il est prêt à en découdre. Revenons-en au massage. Je ne comprends rien de ce que vous m'écrivez. Il faut que vous mettiez au clair avec vous-même, hein, parce que les larmes cool, Bosseron, les larmes cool. Il n'y a pas d'aiguille à tricoter ni de dé le James, mais il est prêt à en découdre. Revenons-en au massage. A priori, je n'ai pas affaire qu'à des spécialistes, hein.
Vous êtes sûr que c'est Camoulox? Oui. Oh, toi qui m'a fait roi, ne pleure pas, bah, donne-moi tes larmes. Ah oui, bon. D'accord, là je comprends mieux. Donc là, on a la carte, mais alors tout a été modifié. Hein. Je pense qu'il faut. On va aller là. Non. Ouais, je crois qu'il va. On est condamné à revenir sur nos pas. On fait une petite. Non, de toute façon, j'ai déjà fait la save. On va repartir. On va la rejoindre. Mais vous voyez, on la rejoint, mais on a quand même le fusil à pompe. Hein. C'est dire toute la confiance qu'on porte en Marie. Hein. Marie? Marie, n'aie pas peur, je suis venu te chercher. Marie rentre à la maison, là, maintenant. Hein. Marie? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah ben là, c'est fermé. Marie rentre à la maison, je suis venu te chercher, mon amour. Alors, bon, on arrête les bêtises. Ah, vous avez vu là? Sur le plan, il y a la 207 qui est encore ouverte. On va s'en occuper tout de suite. On va s'y intéresser tout de suite. Qu'est-ce que j'ai l'œil? Vous êtes vénard. Vous êtes vénard. Ah, ben, la 207 nous a fait ressortir à la 204. Ah bah ben, pourquoi pas? C'est quoi cette diablerie? Ah, attendez, on met la carte bien dans le bon sens. Hein. Moi j'aime bien que quand le nord est au nord et quand le sud est au sud. Hein. Allez, on prend les cartouches. Mon amour! Viens là, n'aie pas peur. C'est James. Je crois que sur le plan, il nous marque déjà que les portes sont condamnées. Hein. On est où maintenant? Ah, la 216, on peut faire. Ce serait pas celle-là. Jack Torrance, voilà. Je veux pas te faire dommage, je veux juste exploser la tête. Bah, la 216. On m'aurait donc menti. La 212 encore. On est revenu là. Non, c'est pas bon ça. C'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour nous. Oh bah putain. Ah oui, non, je fais n'importe quoi. Attendez. Je reviens là. Oh là, attendez. Alors, je reprends la 204. Et là, maintenant. Bon, c'est. Faut que je retourne à la 202. C'est ma faute, hein. J'ai fait n'importe quoi. Voilà. Il y a téléportation un petit peu. C'est insensé, ça n'a pas de sens. Ça me fait penser aux 12 travaux d'Astérix, avec le bâtiment qui rend fou. Je m'en souviens plus de celui-ci. Bon, on peut rien faire à part aller sur la droite. Ah, c'est prêt. Bon, là, vraisemblablement, vous savez que j'aime bien dire ça, on va aller au B. Et voilà. Je vous ai dit, c'est un mélange de c'est 40 ans, 41 années d'expérience, c'est un mix de mentalisme. D'ailleurs, Clément Fraise, quoi. Je suis une sorte de Clément Fraise, mixé avec de l'intelligence, on va dire Einstein. Oula. Merde, alors je fais n'importe quoi. Là, pour le coup, j'ai pas été très Clément Fraise. Normalement, je peux recharger. Hein. Ah, voilà. Vous avez vu ça? J'ai affrété un bouton spécialement pour recharger. Le laisser passer, 40 toum, 8. Ah oui, le formulaire. C'est plus que ça, oui. J'essaye de vous lire en même temps, hein. C'est pas simple. Ah, on a oublié quelque chose, là. Ah bah, mais décidément. Je vous assure que j'ai mis le jeu en normal. Hein. De toute façon, on le voit au niveau des boss. Ils sont pas durs à tuer, mais ils ont de la vie, quoi. Oui, ils pensent vraiment qu'on est des noobs. Hein. Ils nous refilent de la vie, plein de trucs. Bon, allez, F5, là. Là, je sens que ça va être le boss, hein. Alors, on est là. Pardon. Bon, je me barre, je reviens. On est ici. Faut qu'on prenne les escaliers. On est d'accord.
On est d'accord. Magnifique là, le plan là. Et la musique. Mama! Mama, I was looking for you. Now you're the only one left. Maybe then I can rest. Ce violon. Mama, why are you running away? You're not my mama. It's you. Oh, I'm sorry. Angela, no. Thank you for saving me. But I wish you hadn't. Oui, complètement, c'est ça. Even Mama said it. Je l'avais acheté à la Fnac quand il était sorti. I deserved what happened. No, Angela, that's wrong. Les deux sont vrais. Don't pity me. I'm not worth it. Or maybe you think you can save me. Will you love me? Ouais, ils aiment bien mettre des pauses. Take care of me? Heal all my pain? Ah non, moi je passe mon tour, Angela. Hein. On fait pas ça. Hein. Ouais, ça crame, Angela, ça crame. That's what I thought. Ah, ce violon, mon Dieu. James, give me back that knife. On va te rendre ton coutelas. I won't. Saving it for yourself. On se le garde pour nous tartiner les tartines. No, I'd never kill myself. Je n'ai pas bien saisi le background d'Angela. Souvenez, il y avait le truc de l'incendiaire. Peut-être qu'il y a un lien, je ne sais pas. Le mystère reste entier pour ma part. It's hot as hell in here. You see it too. J'adore Bekczynski. Always like this. Pour répondre à Léa. Ah merci. Merci Tama. C'est moi qui l'ai fait. Bon. Je n'ai pas la carte de ce secteur. Ok. Comment on peut faire? On se barre. Hein. On peut pas monter intelligemment. On va pas monter les marches. Si? Ah non, on peut pas. On peut pas, bien sûr. Alors du coup, on est encore téléporté quelque part? Oui. Ah, il y a peut-être quelque chose à looter, même si on est full vie. Bon. Allez. On va en avoir fini avec l'hôtel, vous allez voir. Mais à mon avis, ça sent le boss. Hein. Ah, ce plan. Marie? Marie, t'as couché les gamins? Marie, t'es où? Regardez, vous avez vu ces plans de caméra là? Il fait chaud ici, John John, bureau 411, World Trade Center. Ah, moi je valide pas tout. Hein. J'ai de la famille hein, qui a disparu hein, dans le World Trade Center. Oh, c'est pas vrai. Mais quand même, ça aurait pu être possible. Bon, vous le sentez le boss là ou pas?
Non, mais il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Allez, là, c'est le boss. Big boss, ouais. Big boss. Pour la peine, Tamash, tu remets mon petit bouton. Mais juste quelques secondes. Stop! Ah, il y a deux pyramides aides. Il y en a un troisième. Je sais pas ce que ça veut dire BSM. Oh là 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 là. Ah bah là. Et ça n'est pas trois fois qu'elle meurt. Ça fait trois fois qu'elle meurt Marie hein. On va pas chier là chaque fois. That's why I needed you. Needed someone to punish me for my sins. La règle des trois. But that's all over now. I know the truth. Now it's time to end this. On va se battre contre les pyramides là? Oh oui. Bah y. Ah bah ça va être compliqué. Non, non. Non, 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 c'est pas du tout ça, faut qu'on se casse. Alors peut-être qu'il faut qu'on les latte avec leur propre arme. De toute façon, j'ai fait une save juste avant. Hein. Ne vous inquiétez pas, je maîtrise. Ouais, c'est ça. Oh là, putain, j'ai eu un bol de fou. Se barrer. Attendez, attendez, là c'est quand même compliqué. Imaginez, avant on pouvait pas changer d'arme aussi facilement. Alors, c'est là. C'est bon, il y en a un qui est mort. Non, merde. Putain, on va claquer toutes les. Oh, you speak French? Ah, salut William, excuse-moi avec la couleur de ton pseudo, j'ai cru que c'était Nick Taras. Oui, oui, je parle français. Un français impeccable. Enfin, j'essaye. Allez, on se remet un peu de vie. Bon, on est bien d'accord qu'il faut les tuer avec... Il faut les tuer avec la... Avec leur propre arme, quoi. Hein. Il y a que ça qui va... Parce que là, ça fait rien. Hein. Voilà. Là, on ne fait que... Allez. Allez, 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 allez. Putain, on va mourir. J'aimerais bien en attirer qu'un seul. Ok. Allez. Non mais il est super lent, regardez ça, le temps qu'il met. Je vais mourir. Et j'arrive même pas à... J'arrive même pas à faire quoi que ce soit. Je pense que même avec le fusil, le résultat est le même. Bas souvenir d'avoir utilisé le couteau à beurre pour la fin. Ok, donc je suis en train de faire n'importe quoi. Bon, en même temps, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Attendez. Non, ça leur fait rien. Non mais, bon, ouais. Écoutez, là c'est verrouillé. Là c'est verrouillé. Qu'on soit tous d'accord. Qu'on parte pas en conjecture, je ne peux pas m'enfuir maintenant. Ah bah oui, mais pourtant ça serait quand même pas mal. J'aime beaucoup James. Qu'est-ce que vous me conseillez? Dans le dos, avec leurs grandes épées? Oh putain, mais... J'ai fini Dark Souls 3, hein. Et c'est Kiro, hein.
Donc, me jugez pas. Hein. Non, non, ça marche pas. Mais il met un temps fou à se barrer après, c'est terrible. Non, non, y a rien à faire. Ah, il se casse. Autant pour moi. Bon, on a perdu beaucoup de vie pour pas grand chose, hein, si c'était que ça. Bon, allez. C'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ok, ok. Alors, c'est verrouillé. Il me demande d'insérer quelque chose, j'imagine. Il y a une échancrure ronde dans la porte. D'accord. J'imagine que sur l'autre aussi. Ok, bon, il va falloir récupérer sur nos amis. Peut-être pas, non. Il faut qu'on se... Impossible de déplacer tête de pyramide. On dirait qu'il tient quelque chose. J'ai un œuf écarlate. Et là, tu m'en donnes un aussi ? Un œuf de rouille. Allez, on avance. Hein. Je mets l'œuf écarlate dans la porte. J'espère que c'est... On est d'ac. Quel impact. Waouh, cette fin. Alors, dans le dos avec la grande épée, en mode mousquetaire. Waouh, cette fin. Fuck la vie, je meurs, bim. Les pyramides aides sont donc de grosses poules. Voilà. Je mets l'œuf... Bon. Ok, donc on a choisi de passer par là. Mais on aurait pu très bien passer par là. Hein. On est d'accord? Oui, ça aurait été la même chose. Je voulais en être sûr. Donc là, il y a de la fumée, hein, parce que forcément, ça a cramé. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? Faut qu'on s'échappe. Oui, c'est terminé. Mary? What do you want, James? I brought you some flowers. Flowers? I don't want any damn flowers. Just go home already. Mary, what are you saying? Look, I'm disgusting. I don't deserve flowers. Between the disease and the drugs, I look like a monster. Well, what are you looking at? Get the hell out of here! Leave me alone already! I'm no use to anyone. I'll be dead soon anyway. Maybe today, maybe tomorrow. It'd be easier if they'd just kill me. But I guess the hospital is making a nice profit off me. They want to keep me alive. Are you still here? I told you to go! Are you deaf? Don't come. On aurait dû écouter tout. C'est pour ça que je suis resté un petit peu devant la porte. Et ça a coupé. Bon, j'espère que qu'on n'a pas loupé trop de choses essentielles dans ces dires. Là, on peut monter. Toujours des petits plans de caméra en contre-plongée sympathiques. Hein, ça fait toujours plaisir. Et là, on peut descendre. Mais bon, on est d'accord, ça sert pas à grand-chose. Je peux recharger, normalement. Ah, oh, quel plaisir. Bon, on a cramé quand même pas mal de vie, hein, pour pas grand-chose. Hein. Fallait juste leur tirer dessus, hein. Ou alors patienter. Toi, tu penses, Léa, qu'avec les deux pyramides, il fallait patienter, juste? Sans violon, je chiale pas. Oui, bah pareil. C'est la même chose. Ma sensibilité est la même que la tienne, Tama. Elle a certains critères. Il y a des critères à respecter. Par contre, c'est génial, hein. L'idée de ces escaliers, on ressent bien la rouille, on ressent bien le côté poisseux, on ressent bien le côté métallique des choses, hein, ça me plaît énormément. Hein. Bah d'accord. Oh, faut être sûr de son coup hein, quand on monte. Oh là là, Marie est là. Ah. Bon, vous êtes prêts? Marie est là, hein. Je fais ma petite publicité juste avant. Ah, il faut bien que je gagne ma croûte. Mary?
When will you ever stop making that mistake? Mary's dead. You killed her. Maria? It's you. But I don't need you anymore. What? You must be joking. But I can be yours. I'll be here for you forever. And I'll never yell at you or make you feel bad. That's what you wanted. I'm different than Mary. How can you throw me away? I understand now. It's time to end this nightmare. No, I won't let you. You deserve to die too, James. Hola, hola, hola. Eh oh, barrez-vous. Bon, là, je fais n'importe quoi. Bon, ça a pas l'air de me faire trop de soucis. Les petits papillons qui me poursuivent. Ils rechargent, ce con. Franchement, j'aurais pas eu de chance. Je vais recharger manuellement. Allez, on se casse. Mais je vous assure, James met 1000 ans à faire les choses. C'est dramatique. C'est du vieux gameplay. Oui, mais ça, moi j'ai des papillons, mais c'est peut-être. Allez, allez, cours. Il recharge maintenant, j'adore. Je vous assure que je le fais pas exprès. Hein. Bon, on va la tuer. On va changer d'arme. Non, non, surtout pas. Oh putain. Bon, les boss fights, ce seront pas, c'est pas le truc que je vais garder en souvenir. C'est bon? Bon, j'y vais un petit peu à la bourrin. Mais c'est pour le bien de... des spectateurs. Papillon, très bien. D'accord. Et voilà. Pas le faire chier le James non plus. Hein. Quand on repasse pas hein, et qu'on va pas chercher les gosses à l'école à l'heure. Ouais. On s'étonne que comment ça finit. Mary. James. Elle était drôlement malade alors. Forgive me. I told you that I wanted to die, James. I wanted the pain to end. That's why I did it, honey. I just couldn't watch you suffer. No. That's not true. You also said you didn't want to die. The truth is, I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. James, if that were true, then why do you look so sad?
Mary? James. Please. Please do something for me. Go on with your life. Oh, c'est triste là quand même. Cette ville apparaît dans mes restless dreams. I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Waiting for you to come to see me. But you never do. And so I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you. Something you'll never forgive me for. I wish I could change that. But I can't. I feel so pathetic and ugly laying here, waiting for you. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it all is. The doctor came today. He told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this may be my last chance. I think you know what I mean. Even so, I'm glad to be coming home. I've missed you terribly. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Whenever you come see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me. Or maybe I just disgust you. I'm sorry about that. When I first learned that I was going to die, I just didn't want to accept it. I was so angry all the time, and I struck out at everyone I loved most, especially you, James. That's why I understand if you do hate me. I want you to know this, James. I'll always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. We had some wonderful years together. Well, this letter's gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. That means that as you read this, I'm already dead. I can't tell you to remember me. But I can't bear for you to forget me. These last few years since I became ill, I am so sorry for what I did to you, did to us. You've given me so much,
and I haven't been able to return a single thing. That's why I want you to live for yourself now. Do what's best for you, James. James, you made me happy. Eh ben, dis donc. Je peux vous assurer qu'à l'époque, pour un jeu vidéo, c'était un peu une grande première, une sorte de fin aussi tragique, dramatique. You made me happy. Là, on voit la petite Laura qui déambule parmi les tombes, suivie de James. Regarde sur le retour si vous les voyez. Oui. Oui, c'est un jeu triste. Qui quelque part nous parle à tous. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien là? J'ai baissé le son de la musique. Mais alors pourquoi Marie l'a emmené à Silent Hill pour avoir la lettre? Eh bien écoute, je ne saurais répondre à ta question. Je ne sais pas exactement quelle lettre il a eue. Je pense que c'est un homme qui s'est menti, qui s'est fourvoyé dans ses propres sentiments et qui a complètement occulté le fait qu'il avait tué sa propre femme par égoïsme face à la maladie. Merci Tama. Voilà, il a pas... Vous m'entendez bien là? C'est bon? Oui, c'est quelqu'un qui a occulté ses actes. Et puis, qui s'est menti à lui-même pendant toutes ces années, voilà. Et à un moment donné, son inconscient l'a poussé à revenir sur sa lentille pour se remémorer exactement ce qui s'est véritablement passé. C'est quelqu'un qui était hanté d'avoir tué sa femme par égoïsme. Il a voulu reprendre sa vie, hein. C'était explicitement dit. Il l'a pas tué par amour, il l'a tué pour reprendre sa vie. Voilà. Voilà, pour qu'il se rende compte par lui-même, c'était l'acheminement dont il avait besoin pour accepter. Oui, voilà, c'est ça, c'est fait sa propre petite thérapie. Donc voilà, Silent Hill, hein, jeu de 2001 hein, quand même. Donc certes, il y a des personnages comédie, il y a quelques trucs comme ça qui me plaisent moins. Mais pour du 2001, bon, c'est un superbe jeu. Très bien réalisé, superbe musique, superbe cadrage. Bon, je mets un bémol bien sûr pour les voix anglaises. Hein. À cette époque-là, l'acting n'était pas super. Mais bon, très bon jeu. Qui est encore une fois en 2001 tout à fait jouable. Et vous voyez, qui n'est pas trop long. Hein. Je pensais pas finir ce soir. Et là, j'ai eu la fin positive. Alors, est-ce que tu sais, est-ce que tu saurais me dire, Léa, quelle était la condition pour avoir la fin positive? Les autres persos partageaient le même purgatoire qu'est la ville. Tu penses que c'est le nombre de quoi? C'est le temps que j'ai mis pour le finir? C'est quoi qui a fait que j'ai eu la fin positive? C'est bien d'ailleurs d'avoir eu la fin positive. Le prochain jeu, pourquoi pas Silent Hill 3? D'accord, ah ben non, mais sinon, il y a aussi le scénario que je n'ai jamais fait, là. Il y a un add-on sur ce jeu. C'est le Director's Cut, donc il y a un scénario que j'aimerais bien pouvoir faire,
avant de faire Silent Hill 3. Se soigner un max, protéger Maria, tuer un max d'ennemis pour bien s'en sortir à la fin. Ok, bon, bah, je pense que j'ai dû toujours avoir la... Enfin, je crois que c'est que la deuxième fois que je le termine. Peut-être la troisième, je me souviens pas. Mais je me souvenais Enfin, je me souvenais pas véritablement de la fin. Ça fait longtemps, hein. Moi, je l'ai fait en 2001. Hein. Non, je l'ai fait en quelques années plus tard. J'ai commencé par le 1. Donc là, on va avoir un tableau récapitulatif à la limite, à la fin. Non, peut-être pas. Ah voilà, là, c'est les crédits. Voilà, bon, donc vous allez pouvoir voir la team qui a fait, qui s'est occupée de cette Enhanced Edition. Pour le PC Enhancement Project in Development by... Et voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, bon, ouais, c'était une douzaine de personnes, plus c'est une douzaine d'autres personnes. Sinon, James se suicide et plonge avec ta bagnole dans l'eau. Dans le lac. D'accord. Bon, bah, j'ai jamais eu cette fin-là. Donc vous voyez, c'est toute une douzaine de personnes. Et puis on voit tous les aides qui ont permis de finaliser ce projet. De faire la meilleure version possible de Silent Hill 2. Merci à eux. Non, ta maman demandait quel prochain jeu. Bah, moi, j'étais parti, ce que je disais à ma femme, pourquoi pas enchaîner après Silent Hill 3. Mais le problème, c'est qu'il a beaucoup de liens avec Silent Hill 1. Et à la limite, il faudrait peut-être se refaire Silent Hill 1. Mais bon, après avoir fait l'NNS édition de Silent Hill 2, c'est difficile hein, de repartir sur la PlayStation 1. Mais avant cela, j'aimerais bien, moi, là, sur ce Silent Hill 2, faire le scénario que je n'ai pas fait. Je serais curieux de voir la donne. Oui, voilà. Histoire de pouvoir développer le truc et de peut-être découvrir d'autres coins travaillés par l'équipe, oui. Je vais voir si je peux passer le... Ce que je vais faire, c'est que je vais passer les crédits, si c'est possible. Non, a priori, non. Non, non, ils veulent absolument qu'on les congratule à la fin. Non, non, c'est un excellent jeu. Et puis, il a tellement marqué une génération que vous voyez que ça a permis de la synergie là, de toutes ces bonnes âmes pour l'NN's Edition... Et qui, encore une fois, n'a pas été bloquée ou interdite par Konami. Hein. Donc, je pense que ils n'ont pas travaillé avec eux. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de liens. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup eu de liens avec des gens, même de chez Konami, hein, pour faire ce truc. C'est pas officiel. Mais officieusement, bon, je pense qu'il y a des développeurs. Alors voilà, on a les résultats du jeu. Niveau d'action normal, niveau d'énigme normal, fin laissée. Alors je sais pas ce que c'est. Fin connue, bon j'en ai fait une sur 4. Sauvegarde 57, durée totale, on l'a fini en 9h. Bon, on a pris un peu notre temps quand même. Hein. On a fait comme 6 km à pied, distance, en tout, non, 24. Objet 258, ennemi battu au tir 9. Ennemi battu au combat 133. Temps de l'étape du bateau 2 minutes 47. Oui, parce que je crois qu'il y a un trophée hein, à avoir quand on va très vite. Quand on est sur le bateau, vitesse maximum du bateau. Ah, il y a une vitesse maximum, je savais pas. 3,50 m par seconde. Total de dommages 1800 points. Votre classement, j'ai quoi? J'ai 4 étoiles sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je crois, hein, ça doit être ça. Appuie sur retour pour continuer. Mais ce que je fais, moi, déjà, c'est que je fais une photo. Hein, comme ça, moi, je le mets sur mon. Mais oui, de faire le add-on, ça serait mortel. Voilà. Petite photo. J'aime bien faire les photos des captures de fin de jeu. Alors, appuie sur retour pour continuer. Oui, je veux bien, mais comment? Il veut pas. Qu'est-ce qu'il appelle retour? Alors peut-être avec la souris. Ouais voilà, bon. Donner sauvegarde, donner dévoilé abouti. Ah. On va aller tout en haut. Moi, je vote pour l'addon à partir de demain matin. Fin connue 1 sur 4, il y aura d'autres fins alternatives. Bon voilà, j'ai sauvegardé deux fois. Voilà, on se casse. Donc du coup, oui, en New Game maintenant,
Enfin, c'est pas maintenant, il était là dès le départ. On aura le sub-scénario, Born from a Wish, à faire. Moi, je vote pour la donne à partir de demain matin. Enfin, voilà, demain soir. Haha, le live de Salantide à 7h du mat, à la fraîche. Bon, je vais pas vous mentir, si je streamais pas, je l'aurais fait là tout de suite. Mais bon, on a déjà streamé 1h25, je trouve que c'est pas mal. On va s'arrêter là, comme ça on a une VOD d'1h25 sur cet excellent Silent Hill 2, Director's Cut. Je suis vraiment ravi du travail qu'ils ont fait, parce que, bon, quand vous le découvrez là comme ça, vous voyez peut-être pas la différence, mais je vous assure qu'il y a vraiment eu du boulot de fait par rapport à la version PlayStation 2, qui est très bonne, hein, somme toute. Mais bon. Donc je vais repasser en main cam, hein, quand on dit « Oh, dis donc, je suis un peu rose, là. Je suis un peu rosé, on dirait un gros bébé. » Bon, qu'est-ce que t'as trouvé du jeu, toi, le chien? Bah, il s'en fout. Comme d'habitude, il s'en fout, il a son flingue dans la bouche, il est content. Il s'en fout. Il a même pas d'avis de savoir si ça va lui plaire de faire le sub-scénario. Je suis sûr qu'il a même pas vraiment regardé ce qu'on a fait. Il est là, mais il a même pas vraiment regardé. Enfin bon. Bon, mes amis, il fixe la communauté, voilà. C'est exactement ça. Mes amis, sinon, bien sûr, on a les movies, mais on regardera tout ça quand on aura fini le... On a les bandes annonces, on a toutes les cinématiques, et puis les teasers de l'E3, mais bon, ça c'est vraiment pour les fans. Non, on se fera le sub-scénario Born from a Wish, je pense que ça va être très bien. Ok, je vais vous laisser là, je vous remercie, j'embrasse Tamar, bien sûr, j'embrasse Nictara, j'embrasse Léa, et puis tous ceux qui sont passés. Bon, donc dès demain, 21h. Moi, dans l'après-midi, je ferai certainement cette fois-ci Dead Space en mode survivant. On continue l'aventure. Mais dès demain, à 21h, on fait le sub-scénario. Je ne l'ai jamais fait. Je n'avais pas le director's cut. Et là, du coup, on va faire le sub-scénario Born from a Wish. Mais en Enhanced Edition, ça sera parfait. Donc, n'hésitez pas à follow si vous ne followiez pas encore. Parce qu'ici, il se passe de très grandes choses. Et je suis ravi de ma communauté. Hein, c'est vraiment, c'est du solide, ça fait plaisir. Bon, j'arrête là, sinon je vais chialer. Je vous embrasse fort et je vous laisse sur mon excellent générique. À demain. I live and write.